Non, pas ça. On enregistre au cas où. Ce serait con de perdre tout ce que j'ai fait. Hop.
Coucou Chandrelle, comment ça va? Moi ça va. Ça va, tranquille. Je termine la réécriture du chapitre 4 de mon petit jeu et voilà. Alors bienvenue. Si tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci. J'y répondrai sans problème. J'ai vu sur le chat en même temps que je réécris, donc il n'y a pas de souci. Si je ne mets pas le bon background, ça n'ira pas. Oui, j'ai voulu en faire un manga en fait dès le départ, mais vu que j'ai énormément de textes, c'est pas possible. J'ai testé, j'ai fait 3-4 fois les mêmes premières pages et au moment où je devais mettre le texte, bah non, ça va pas. Et comme j'ai beaucoup beaucoup de textes, surtout l'histoire de base est déjà écrite depuis quelques années, mais là je la remets au goût du jour parce que voilà, entre-temps j'ai beaucoup évolué dans l'écriture et tout, donc voilà. Tout est déjà écrit. J'ai un bon nombre de chapitres, mais je les réécris pour vraiment les remettre à neuf et pour supprimer les fautes d'orthographe que j'ai encore retrouvées il n'y a pas longtemps. Je suis sûre qu'il y en a encore, hein, mais comme j'ai tellement de nez dedans. Et surtout comme je le disais, comme j'ai évolué dans ma façon d'écrire par rapport à avant, c'est l'occasion de rectifier aussi quelques petits soucis que je m'étais. Voilà. Bon, il n'y a pas de soucis pour l'orthographe, hein, c'est juste. Moi, il faut que ce soit parfait, donc.
C'est mon petit bébé. J'ai un graduat, c'est pas pour autant que je suis doué en orthographe. Hein. À force de lire et d'écrire les mêmes mots, ça va. Faut juste que je fasse attention. Et que je relise souvent ce que j'écris parce que j'ai tendance à inverser des lettres. Plus je suis fatiguée, pire c'est, bien sûr.